Des nouvelles de George Brown? Vous en espériez, vous? Jouez pas au plus fin, John. Vous avez tout gâché. Vous avez détruit ce pays. Nous n'en savons rien encore. S'il acceptait, il nous aurait déjà contactés. Nous connaîtrons sa décision bien assez tôt. Comment avez-vous pu prendre un si grand risque? J'ai fait ma part, c'est à son tour. Oui, exactement. Vous avez mis notre avenir entre les mains de votre pire ennemi en le défiant de vous nuire, et maintenant il a le pouvoir de nous détruire. Ou non. Profitez de vos dernières minutes en tant que Premier ministre. McDonald! Alors, du nouveau? C'est un désastre. Faites taire cet homme. Et maintenant, ceux qui votent pour le candidat conservateur John E. MacDonald, réélu en tant que membre de l'Assemblée de Kingston, John E. MacDonald. Merci à tous. Je ne vous laisserai pas tomber. Je vais déposer une plainte officielle. Vous n'êtes qu'un sale menteur, Johnny. Numéro 3 fonctionne de nouveau. Merci, mon Dieu. Nous venons de recevoir les résultats de l'Ouest. Oui. Le Premier ministre a conservé Hamilton, mais nous avons raflé tous les autres comtés jusqu'à la frontière, tous les comtés jusqu'à Sarnia. Combien de sièges il nous manque? Si nous arrachons un ou deux sièges aux acolytes de John E. MacDonald autour de Kingston, nous formerons le gouvernement. Messieurs, nous avons remporté Cornwall. Des sièges aux alentours de Kingston? Non, tout est allé aux conservateurs. Vous espériez remporter Kingston? Maudit MacDonald. Il nous fallait ces sièges pour gagner. C'est la défaite, George? Nous avons fait des gains impressionnants, c'est déjà ça. Peu importe les gains, Gordon, nous ne formons pas le gouvernement.
parce que nous laissons le Bas-Canada détenir la moitié des sièges, même s'ils sont moins nombreux que nous. Une poignée de conservateurs n'a qu'à faire équipe avec les Français, et le Haut-Canada se fait voler encore. Écrivez tout ça, George. Publions-le dans le journal. Ouais, d'accord. Faites de la place en couverture pour 300 mots, 400 de plus en page 2. Vous pensez à quoi comme titre? Impopulaire, les conservateurs s'accrochent? Trop inoffensif. Les conservateurs vendent le pays aux Français encore. Il y a aussi un trou à combler en bas de page. Nous y mettons quoi? Le scandaleux chemin de fer du Premier ministre lui coûte presque son poste. Il n'y a même pas de véritable scandale. Il y en aura un demain. Allez, au travail, ce journal ne se fera pas tout seul. Mowat, vous avez été élu. Félicitations. Merci. Mon chéri, est-ce que c'est vous? J'attendais que vous rentriez. Vous avez gagné. Bien entendu, Isa. Oui, bien entendu. Vous pourrez maintenant passer du temps à la maison. Le Premier ministre a convoqué le cabinet immédiatement. Nos résultats sont terribles dans l'Ouest. Il a presque perdu son siège. Ce n'est pas juste. You ne vous voit jamais. Je n'ai pas le choix, c'est le Premier ministre. Nous vous accompagnerons. Nous passerons la session à Toronto avec vous. Impossible. Je n'accepterai aucun refus, John. Isa, votre santé est trop mauvaise pour voyager. Peut-être à l'automne. Ce n'est pas juste. Un fils a le droit de voir son père. Nous organiserons une visite, c'est promis. Dès que vous vous porterez mieux. D'accord? Je dois dormir. D'accord, bonne nuit. Messieurs, je suis de retour. John, et asseyez-vous. Je vous rase d'abord. Bien entendu. Et n'essayez pas de m'imposer de favoris. Quand je dis rasé de près, je veux dire partout. Vous savez, vous êtes le seul Anglais de toute l'Assemblée sans moustache ni barbe d'aucune sorte. Le seul en pantalon à carreaux aussi, j'espère. Très certainement. Alors que je pensais lancer une mode, personne ne l'a suivi. Oh, ils vous suivront, John Hay, mais ils ne porteront jamais vos pantalons. Je reviendrai quand il y aura moins de monde. Alors, mon ami, dites-moi, vous comptez faire quoi de mes cheveux? Laissez-moi vous dire à quoi je m'objecte, monsieur le président. Je m'objecte au fait que le Premier ministre demande de l'argent à cette chambre pour financer un chemin de fer duquel il est lui-même le président. C'est révoltant. Cet homme donne de l'argent de la main droite et l'empoche avec la gauche. Et comment, monsieur Brown, croit-il que se construisent les grands chemins de fer? Sinon financés par le gouvernement et administrés par des hommes d'affaires compétents? Ignore-t-il l'intérêt du public pour la modernisation? Est-ce qu'il pourrait faire que nous continuions de voyager en canot? L'avenir du Canada repose sur ces chemins de fer, et ce gouvernement va continuer de les construire. Monsieur le Président, aucun homme de conscience n'agirait comme le fait le Premier ministre aujourd'hui. Ce projet de loi est une parodie et doit être rejeté. Mettons un frein à ce vol de fonds publics. Puisque l'hypocrisie s'est déjà montrée aussi évidente, le peuple n'acceptera pas qu'on le vole. Je n'accepterai pas qu'on me vole. Vous osez me traiter de voleur? Vous? C'est vraiment le comble. Monsieur Brown peut bien parler d'hypocrisie. Il est lui-même propriétaire du Globe. Personne dans cette chambre ne se remplit les poches grâce à la politique mieux que Monsieur Brown le fait. Monsieur le Président, je débattais avec le Premier ministre. Lancer des pierres, ce n'est pas débattre, monsieur le Président, mais ça ne semble pas déranger monsieur Brown, puisque des pierres, il en lance à notre Premier ministre tous les jours ici, n'est-ce pas? Et ensuite, aussi certainement que le soleil se lève, ces calomnies se retrouvent en première page de son journal du lendemain. C'est vous le calomniateur, MacDonald! Vraiment? L'appétit du Premier ministre est sans limite. Pure coïncidence! Je dois admettre que je le comprends. Ça fait vendre ses journaux et ça lui rapporte énormément d'argent. Par contre,
Je crois que ça lui enlève le droit de traiter les autres d'hypocrites parce qu'ils profitent de leur propre manœuvre. En fait, si M. Brown tient tant à donner un visage à l'hypocrisie, je suggère qu'il se regarde dans un miroir. Du calme, silence. Absolument régler ce problème. Monsieur sinon... Spence et Monsieur Morrison. Ah, Monsieur Brown. Monsieur Brown. Belle journée, hein. Tout à fait, monsieur. Durant le débat d'aujourd'hui, j'ai cru percevoir de la sympathie de votre part lorsque je critiquais le Premier ministre, à moins que je fasse erreur. Eh bien, si je puis me permettre, je crois qu'une opportunité se présente à vous, messieurs, de conserver vos titres à la fois à l'Assemblée et dans vos propres comtés. Une opportunité ? Il veut que nous changions de parti. J'avais compris. Non, je me demandais plutôt ce qu'il offrait. Je croyais avoir été clair. Même position auprès de moi que celle que vous avez auprès de McNabb. Autrement, quand ce gouvernement tombera, et croyez-moi, il tombera si McNabb s'entête avec son projet de chemin de fer, je n'aurai aucun autre choix que d'appuyer des hommes plus fiables en élection contre vous. Comptez là-dessus. Nous n'avons pas vraiment le choix d'action. Alors, quand rejoindrez-vous Brown? Combien d'autres vont vous suivre? Qui vous l'a dit? Vous venez de le faire. Vous devriez réfléchir encore. Nous avons un problème avec Sir Hallen, mais vous devez penser aux conséquences, messieurs. Vous mettrez George Brown ou... Mais nous n'avons pas le choix, John. McNabb est un boulet pour nous tous. Et Brown n'est pas aussi mauvais que vous le dites. Oh, Morrison. Il n'y a rien de mal à vouloir un gouvernement représentatif de la population. Il est anti-français. Il est borné. Je vous accorde qu'il est anti-catholique. Non, il est anti-français. L'un comme l'autre. Comme la moitié de mes électeurs. Les Français sont plus coopératifs que Brownlee. C'est une chose d'attiser la colère et le chaos pour vendre des journaux, mais lui va plus loin que ça. George Brown est dangereux. Il dit à tous les Anglais qu'il faut régler leur compte aux Français. Leur régler leur compte, ça n'a aucun sens. Et si ça mène quelque part, ça mène à la violence. John, McNabb est une pomme pourrie. Pour nous tous, il nous entraîne dans sa chute. Si Morrison et moi ne partons pas, d'autres le feront. La réalité, c'est que nous avons John. Le pays que nous avons et que les Français en font partie. Il faut trouver le moyen de vivre ensemble. George Brown n'y arrivera pas. Et vous le savez aussi, autrement vous auriez déjà changé de camp. Nous ne pouvons plus appuyer McNabb, John, et je suis désolé. Impossible. Ce serait différent si vous étiez notre chef. L'idée vous a sûrement déjà traversé l'esprit. John Hay, vous connaissez Mademoiselle Cuvillier? Mademoiselle, enchantée, comme toujours. Votre famille va bien? Ma femme menace de me visiter, autrement tout va bien. La mienne aussi, constamment. Elle ne viendra jamais. Elle veut seulement que je sache qu'elle pourrait. Alors, un problème? Spence et Morrison s'apprêtent à traverser chez les libéraux. Sir Hallen et son chemin de fer. Oui. Vous suggérez quoi? Je pense qu'il faut le convaincre de céder sa place. Je suis d'accord. Mais bien sûr, je refuse d'être mêlé à son départ. Aucun politicien ne peut planter un couteau dans le dos de son propre chef et espérer le remplacer. Mes mains doivent rester propres. Vous ferez ce qui doit être fait? En fait, je voulais discuter de ce qui se passerait ensuite. De quoi voulez-vous discuter? Je prendrai sa place. Vous seriez un choix évident. Je serai le seul choix. Personne ne contrôle la fraction française à part moi. C'est vrai. Mais ce serait donner un visage français à un parti composé d'un grand nombre de Français. George Brown nous démolirait dans le Haut-Canada. Mais confronté au racisme de Brown, la population française n'aurait pas d'autre choix que de s'unir encore plus fort derrière moi. Peu importe les gains que les libéraux feraient dans le Haut-Canada, les Rouges d'Orion en paieraient le prix dans le bas. Tout s'équilibrerait. Je crois plutôt que ça créerait une rivalité, les Anglais contre les Français. Ensuite, ça ne ferait qu'empirer. Mais qui d'autre alors? Croyez-le ou non, Spence et Morrison ont suggéré que ce soit moi. Vous? Je parle d'un vrai partenariat, George. Nous deux, gouvernant ensemble et non chacun de son côté comme vous le faites présentement avec McNabb. Je voudrais vraiment changer les choses. Vous auriez encore le contrôle du Bas-Canada et nous pourrions faire de Montréal notre capitale financière. Et de mon client le Grand Tronc, notre chemin de fer national? Oui, avec Montréal en tant que siège social, sans compter qu'ensemble nous pourrions remodeler l'Assemblée selon notre volonté.
Peut-être bien. Mais pour l'instant, nous avons encore un chef. Mon cher ami, Sir Alan. Vous voulez diriger? Méritez-le. Non, 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 non! Laissez-les traîtres grossir les rangs des libéraux! Je les remplacerai! Une demi-douzaine d'hommes veulent nous quitter, nous ne pourrons pas tous les remplacer. Ils ne me sortiront pas d'ici sans que je me batte! Oui, Alan, ils le feront, et ce sera Brown qui vous remplacera. Jamais! Impossible! Si ça arrive, il fera avorter votre chemin de fer. Il ne pourra pas! Le projet est trop avancé! Peu importe que le projet soit avancé, Alan, il tuera votre chemin nous de fer! Nous y avons investi des millions! Il pourra et il le fera, et vous le savez comme moi! Non, il ne pourra pas! Il le fera! Je ne laisse pas! Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas retourner en élection si tôt. Non. Vous allez perdre. Vous ne pouvez pas garder votre poste en plus d'être le président du Great Western Railroad, Alan. Le peuple ne le tolérera pas. Cédez votre place ou vous risquez de tout perdre. C'est votre faute, tout ça, John? Non, non, ce n'est clairement pas ma faute, Alan. C'est la vôtre! Je vais couler avec vous si c'est votre choix, mais nous allons couler. Et vous perdrez tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Vous avez fait suffisamment de sacrifices pour ce pays. Partez avec les honneurs que vous méritez, en sachant que votre remplaçant veut lui aussi mener à bien votre projet de chemin de fer. Vous avez déjà choisi un nouveau chef. Qui ? J'ai toujours su que vous étiez un grand ambitieux. McNabb a démissionné. Raison personnelle. Bien sûr, le gouvernement tentera de survivre, mais... Sous Cartier. Non. Sous MacDonald. Mais nous avons l'appui de Spence et Morrison, non? Non, j'en doute. Nous n'avons rien du tout. Ils sont sûrement déjà chez le gouverneur général pour la sermentation. C'est un désastre pour nous. Mais pourquoi? George, nous nous sommes débarrassés du Premier ministre. C'est positif, non? Un serpent à la place d'un porc, ce n'est pas du progrès. Nous n'avons pas délogé McNabb, nous avons ouvert la porte à McDonald. Depuis les deux décennies qu'un gouvernement responsable a été mis sur pied au Canada, le Parti conservateur a pratiqué et perfectionné l'art de la trahison. En soumettant à la moindre occasion les partisans loyalistes de l'Empire uni à la tyrannie silencieuse des Français. Aujourd'hui, les voilà qui nous imposent un nouveau chef. John A. MacDonald, un homme que nous savons capable du pire. Un opportuniste capable de trahir ses supérieurs pour son avancement personnel. Monsieur le Président, je m'objecte. Je demande aux conservateurs, comment pouvez-vous lui faire confiance? Comment pouvez-vous suivre cet homme capable de poignarder son propre chef dans le dos? Y a-t-il quelqu'un qu'il n'osera pas trahir? Songez-vous à vendre vos enfants, MacDonald? Mes enfants? Lequel vous traitez de pute, Brown? Mon fils vivant ou celui qui est mort? Vous avez bien vendu votre honneur! Messieurs! Messieurs! Messieurs, calmez-vous! Vous avez dépassé les bornes! Vous vous asseoir, vous n'avez pas raison! Ce n'est pas très poli de nous faire attendre si longtemps. Il veut montrer qu'il est contrarié. À propos de quoi, exactement? Désolé de vous avoir fait attendre. Votre Excellence. Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler. Vous avez fait bon voyage à Londres, Votre Excellence. Ce voyage n'a été que... torture. Une suite ininterrompue de conversations embarrassantes. Vous savez pourquoi? Votre Excellence. Parce que je suis le représentant de la reine au Canada, Monsieur le Premier ministre, et que le Canada n'est qu'une source d'embarras pour moi. C'est un pays qui n'en est pas un, une colonie qui a échoué. Vos propos sont très offensants, Votre Excellence. Vous ne croyez pas que c'est offensant pour moi? Le Canada est sous ma responsabilité. Vous croyez que je me réjouis d'assumer la responsabilité de ce fiasco? Votre Excellence. Monsieur Cartier. Quelle ville est la capitale du Canada? Toronto, temporairement. Et dans quelques temps, ce sera la ville de Québec, aussi temporairement.
La capitale est notre plus gros problème, Votre Excellence. Oh oui, ça l'est. Cette capitale sera le symbole de notre union nationale. Le Bas et le Haut-Canada ont été joints l'un à l'autre il y a presque 20 ans déjà. Et vous n'avez toujours pas de capitale. Il y a eu l'incendie à Montréal, vous avez abandonné Kingston. Et là, vous n'arrivez pas à choisir entre Toronto et la ville de Québec. Alors, après quelques années, vous videz les bureaux de fond en comble et déménagez les fonctionnaires et leurs familles. Puis vous recommencez 500 000 plus loin. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, Votre Excellence. Nous avons tenu plus de 100 votes pour en venir à un consensus. Plus de 150 votes, en fait. Et ça n'a rien donné. Comment voulez-vous en arriver à quelque chose si vous gaspillez plus de 150 votes sur un enjeu aussi simple qu'ici ou là? C'en est plus qu'assez. Il est temps de mettre un frein à cette histoire. Vous allez établir la capitale ici, à Bytown. Ça s'appelle Ottawa maintenant, Votre Excellence. Oui, oui, je sais. Peu importe son nom, c'est l'endroit parfait. C'est juste à la frontière. L'emplacement est magnifique. Il surplombe la rivière. Nous pourrions même y bâtir un édifice parlementaire. C'est une nouvelle approche. Sauf votre respect, Votre Excellence, il s'agit d'un camp de bûcherons analphabètes du mauvais côté de la rivière. C'est une insulte de préférer Bytown à Québec. Pas plus que de la préférer à Toronto. Écoutez, je veux qu'on résolve ce problème maintenant. Nous avons d'importantes questions à traiter. Les baux de la baie d'Hudson viennent à échéance. Les territoires de la rivière Rouge seront bientôt réattribués. Il était pourtant convenu que ces territoires nous revenaient de droit. Mais le Canada n'arrive même pas à résoudre un problème aussi simple que se choisir une capitale. Pourquoi lui donnerait-on encore plus de territoire à mal gérer? Parce qu'autrement, les Américains vont le prendre. C'est exactement où je veux en venir. Les Américains vont de l'avant, prennent de l'expansion, accomplissent leur destinée manifeste. Pendant ce temps, le Canada entretient les mêmes querelles sans importance depuis 20 ans. Non, plutôt 40 ans. Ce pays a déjà été une importante colonie et pourrait le redevenir. Ceci en est la première étape. Désolé, mais je ne peux pas abandonner Québec. Georges, Georges, écoutez, s'il vous plaît, c'est une brillante idée. Ottawa n'est à personne. C'est une ville sans richesse, sans allégeance. Personne ne gagne ou ne perd en faisant ce choix. Nous pouvons tous vivre avec vous, et moi, George Brown aussi. Vous voulez vraiment établir la capitale dans un coin perdu en pleine nature? C'est le Canada, toutes nos villes sont perdues en pleine nature. Je ne comprends pas, que voyez-vous que je ne vois pas? La chose la plus fantastique au monde, George. Le moment où ce qui était impossible devient possible. George, c'est notre meilleure option. Même si moi j'appuie l'idée, Brown s'y opposera. Comme vous l'avez dit, c'est une insulte à Toronto. Et surtout, l'idée viendra de nous. Vous avez raison, il s'y opposera. Jusqu'à la mort, sans doute. Mais si l'idée ne venait pas de nous, et si nous étions aussi choqués que lui par cette idée? Et si l'idée venait d'elle? Est-ce que ce serait possible? Je ne sais pas. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous annoncer que Sa Majesté a répondu à l'humble requête que ce gouvernement lui avait adressée. Je détiens ici le nom de la ville que notre reine a choisie en tant que capitale permanente de notre jeune nation. Sa Majesté la Reine Victoria a sélectionné la ville d'Ottawa en tant que siège de notre nouvelle assemblée. Non ! Jamais ! Jamais ! Toronto ! Pas la capitale ! C'est une disgrâce ! Le problème est réglé ! La capitale du Canada sera finalement installée à Ottawa, sur les berges de la grande rivière qui joint le Bas et le Haut-Canada ensemble. On dirait plutôt qu'elle nous divise, MacDonald ! Oui, Monsieur Brown en connaît long sur la division, n'est-ce pas ? Heureusement, Sa Majesté a trouvé une façon de nous rassembler, enfin! Comme chacun le constatera par lui-même. Nous devons entamer la construction d'un parlement digne de ce nom à Ottawa dans les plus brefs délais. Monsieur le Président, quelle est la pertinence de cette assemblée si Monsieur MacDonald peut prendre d'aussi cruciales décisions pour ce pays, sans même nous consulter? Monsieur le Président, quelle est la pertinence de cette assemblée si Monsieur Brown ne s'en sert que pour empêcher toute décision d'y être prise? Grâce à Sa Majesté, la question de la capitale est enfin résolue. Nous devrions la remercier. Aucune question n'est résolue tant que cette assemblée n'a pas voté. Osez-vous vous opposer au choix de la reine? Oui ou non, Monsieur Brown? Monsieur le Président, je voudrais que Monsieur Brown réponde à cette question. Est-ce qu'il demande à cette assemblée de voter contre la volonté de notre reine? Répondez.
Ce n'est évidemment pas ce que j'ai voulu dire, Monsieur le Président. Ce peureux se cache sous les jupes de la reine. C'est inacceptable. Faut laisser tomber, George. C'est l'idée de la reine. Vous croyez vraiment que Sa Majesté trouve le moindre intérêt à cette ville de bûcherons au fond des bois à vous? Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Mais par miracle, la reine Victoria a trouvé du temps pour explorer la carte du Canada et mis le doigt sur Ottawa. Ottawa! Soyez pas stupide! C'est une magouille de McDonald's. George, tout n'est pas toujours le résultat d'un complot diabolique de John Hay. Ça n'a pas d'importance! La reine a parlé! Vous ne pouvez pas vous opposer à sa volonté! Ah non? Non, vous ne pouvez pas. C'est la reine. Que vous vous opposiez à elle publiquement, c'est impensable. Exact. Oh. Oh, pour l'amour du ciel. Monsieur Dorian, puis-je me joindre à vous? Bien sûr. Est-ce que je peux vous offrir un verre? J'ai bien peur de ne pas rester longtemps, malheureusement. J'aimerais seulement discuter d'une petite chose avec vous. D'une chose plutôt délicate. S'il vous plaît, messieurs. Je voudrais vous demander votre collaboration. Ça, c'est une surprise. Pourtant, ça ne devrait pas. Je suis le chef de l'opposition anglaise, vous de la française, qui fait de nous des alliés. Mais nous ne sommes pas des alliés, avouez-le, peut-être à cause de votre légendaire antipathie pour les Français. Mon grief en est un légitime, et il se limite à l'influence française sur le Canada anglais qui est disproportionnée. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Et votre solution serait que nous nous soumettions à une domination absolue des Anglais, c'est ça? Je suis pas venu ici pour débattre de la représentation selon la population. Mettons nos différents... Est-ce possible, Monsieur Brown? C'est votre thème principal. Dois-je aussi me couvrir les yeux et prétendre ne pas savoir à qui je parle? Pouvez-vous au moins m'écouter? Bien sûr. Je suis plutôt curieux. Je présume que vous vous opposez à ce choix ridicule d'Ottawa comme capitale. Je peux vous assurer que tous les membres français veulent que la capitale soit Québec. Mais la reine a choisi. Donc les partisans de quartier doivent se mordre la langue et voter favorablement pour ne pas être vus comme des traîtres de la reine. Ouais, c'est dans ce guet-apens que vous êtes tombés. Et c'en est un bon. Ouais, et je ne sais pas comment m'en sortir. Mais vous pourriez vous opposer à la reine, symboliquement, n'est-ce pas? Papa! You. Vous avez fait bon voyage? Non. Maman a dit que c'était un horrible voyage. C'est parce qu'elle est malade. Allons à la cuisine. John. Avez-vous vu Hugh? Est-ce qu'il est sorti? Il est juste ici. Allez, mon grand. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Hugh. Pourquoi vous avez l'air si triste? Je suis fatigué. Je vais emmener Hugh à l'Assemblée avec moi. Ce sera une belle expérience pour lui. Vous n'aviez pas souvent l'air triste. Presque jamais. Je ne suis pas triste. Si seulement notre petite John n'était pas mort. Isabella. C'était une époque merveilleuse, vous vous rappelez? Nous étions... si heureux avant. Oui, Isa, nous étions comblés. Pendant quelque temps.
ça n'a duré que quelques temps. Monsieur le Président, Sa Majesté la Reine Victoria a choisi Ottawa comme capitale de la province du Canada. Et au nom de tous mes sympathisants, je voudrais assurer cette assemblée que nous allons bien entendu faire notre part afin que le vote soit unanime lorsque le projet de loi nous sera soumis. Mais il est impératif que l'histoire prenne note des véritables préférences de cette assemblée. Ce que je propose, en fait, c'est un vote symbolique qui laisserait à chacun le soin d'exprimer sa véritable position quant au choix d'Ottawa. Je seconde. Je tiens à ce que tout le monde comprenne qu'il ne s'agirait aucunement d'une motion de confiance. Nous avons un problème. Il s'agirait simplement de... Que voulez-vous dire ? Je devrais laisser mes députés voter librement cette fois. Quoi ? Impossible. Je n'ai pas le choix, John. Je peux leur faire accepter Ottawa dans les faits, mais je ne peux pas les forcer à dire publiquement qu'ils approuvent l'idée. Il le faut. Dorion pourra s'en servir contre eux plus tard. George, il le faut. J'y peux rien. Encaissez le coup et poursuivons. Monsieur le Président, il est impensable que cette assemblée puisse considérer une motion de défiance contre notre reine. Monsieur le Président, ce n'est pas de la défiance de prendre note des préférences personnelles des hommes rassemblés ici. En fait, ce serait une marque de déférence qu'autant d'hommes soient prêts à mettre de côté leur propre volonté pour voter en faveur du site que la reine a choisi, comme j'ai moi-même promis de le faire. Monsieur le Président, je vous implore de ne pas... Il ne s'agit pas d'une motion de confiance. Il n'y aura aucune conséquence si vous perdez. Je n'ai aucune raison valable d'empêcher ce vote, et vous non plus. L'Assemblée considérera cette motion. Ceux qui sont en faveur du choix d'Ottawa comme capitale du Canada... Ceux qui s'y opposent... La majorité s'y oppose. Nous allons consigner les votes individuellement. Monsieur Jeffrey... Convoquons tout de suite le cabinet. Monsieur Reeves... Alors, que nous proposez-vous ? Nous démissionnons. Maintenant. Pour défendre l'honneur de la reine. Vous voulez démissionner ? Nous n'avons même pas été défaits. Préférez-vous attendre que nous le soyons ? Que Brown ait l'appui des électeurs et puisse former un gouvernement lui-même ? Parce que si nous ne réagissons pas, ce ne sera qu'une question de temps avant que nous tombions. Nous passerons pour des faibles si nous ne réagissons pas, c'est tout trash. Oui, c'est vrai, nous devons réagir. Mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'abandonner le gouvernement. Oui, George, ça l'est. Si nous cédons notre place, le gouverneur général demandera à Brown de former un gouvernement et il sera incapable de le faire. Tout le monde verra qu'en fait Brown n'est qu'une puissance régionale. Il sera publiquement humilié et nous n'aurons qu'à profiter du moment pour lui reprendre le pouvoir. Et s'il ne mordait pas à l'hameçon ? Il mordra à l'hameçon. Je connais Brown et c'est pour ça que nous devons agir maintenant. Plus tard, il risque d'avoir ce qu'il faut pour détenir le pouvoir. C'est un pari ridicule. Je parie que nous reprendrons le pouvoir au bout de quelques jours. Nous avons les votes. Monsieur le Président, notre gouvernement souhaitant demeurer loyal à Sa Majesté a convenu qu'un vote répudiant la volonté et le jugement de notre monarque souverain ne pouvait être toléré. Motion de confiance ou non, un tel vote frôle la trahison. Et nous refusons d'y prendre part. Nous avons l'intention d'aller directement chez le gouverneur général et de lui remettre nos démissions. Est-ce qu'ils sont sérieux ? Mais ils n'ont pas à démissionner. Ils croient que nous ne pouvons pas former un gouvernement. Ils veulent nous mettre dans l'embarras. Trouvez-nous des votes. Non, c'est un piège. Seulement si on échoue. Je vous avais dit qu'ils ne pourraient pas résister. Bon sang. L'honorable Luther Holton, commissaire en chef des travaux publics. Et bien entendu, mon collègue, l'honorable Monsieur Dorion, qui deviendra le chef de l'Assemblée pour le Bas-Canada, ainsi que commissaire des terres de la couronne. Brown a vendu son âme. Ça s'est passé il y a des années. Il a fait un pacte avec Dorion et conclu un accord avec les Irlandais de Montréal. Il a rassemblé un cabinet majoritairement catholique et l'a présenté au gouverneur général.
Au diable tous ses grands principes. Il a finalement fait quelque chose d'intelligent. Je l'en croyais incapable. Vous voyez ce que ça donne? Vous avez été aveuglé par la haine et ça nous a fait perdre le pouvoir. Vous avez sous-estimé notre ennemi, MacDonald. Avons-nous les votes pour le renverser? Je ne sais pas. Vérifiez. Ah, voyons voir ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Garde. Hey, John. Comment allez-vous? Très bien. Champagne? Je vous invite. Ah non, je ne supporte pas les bulles, non. J'ai envie d'un porto. Avec plaisir. Champagne pour moi. Et un verre de votre meilleur porto pour mon ami. John, vous espérez sûrement quelque chose de moi. Je vous veux dans le gouvernement avec moi. Ce n'est plus vous le gouvernement. Vous avez démissionné. Oh, très bientôt, je le serai de nouveau. Joignez-vous à moi. Non, j'aime être indépendant. Les indépendants disparaîtront bientôt comme les dinosaures. Merci. Merci. Vous devez vous joindre à un parti pour avoir un impact. Et je sais que vous voulez avoir un impact, Carl. Ne le niez pas. Et vous, qu'est-ce que vous m'offrez? Je vous mettrai en charge du trésor, carte blanche. Tout ce que vous touchez se change en or. Que faites-vous de mon idée de confédération? Nous tentons déjà d'obtenir la terre de Rupert et la baie du Tsang. Ce n'est pas assez. Il faut prendre possession des terres au-delà des territoires nord-américains britanniques, incluant les colonies. Oui, mais le problème, c'est que les autres colonies ont aussi leurs propres idées, Galt. Quelle idée est plus belle qu'un continent nord-américain entièrement britannique d'un océan à l'autre, John? Idée. Imaginez. Je n'ai rien contre. J'en ferai une politique officielle à discuter et promouvoir. Il faut la mettre de l'avant, pas la promouvoir. Oui, bien sûr, dès que ce sera possible. Mais c'est possible, suffirait d'agir. Nous devrions les convaincre, je ne vois pas comment. Eh bien, vous devrez trouver une façon, si vous me voulez, dans votre gouvernement. Excusez-moi, nous continuerons plus tard, désolé. Bien. Une minute. Je n'ai rien à voir là-dedans, John. Je vous suis loyal. Qui ne l'est pas? D'accord, Galt. Cette confédération, j'en ferai une priorité et je remuerai ciel et terre pour la faire en commençant par la baie du Tson et la terre de Rupert, d'accord? Vous avez ma parole. Galt. D'accord, John. Savons-nous ce qu'il a déjà laissé tomber? La représentation selon la population et accepter le financement public pour les écoles catholiques du Haut-Canada. Il semble clairement déterminé à ce que ce gouvernement fonctionne. Peut-être. Mais peu importe ce qu'il a promis, il n'aura pas le temps de payer. Monsieur le Président, je n'ai pu m'empêcher de remarquer que le cabinet de Monsieur Brown compte plus de catholiques que n'importe quel gouvernement de notre histoire. Je me demande quelles explications il donnera à ses électeurs et ses lecteurs du Globe. Qu'avez-vous fait des droits de la majorité, Monsieur Brown? Les avez-vous rangés dans le même tiroir que votre... intégrité? Monsieur le Président, puis-je prendre la parole, s'il vous plaît? Monsieur le Président, nous aimerions vous présenter notre nouveau gouvernement, dûment assermenté par son Excellence, le Gouverneur Général. Et maintenant, si l'Assemblée me le permet, j'aimerais demander un court ajournement de quelques jours afin de préparer un agenda qui, j'en suis certain, saura gagner l'appui de cette Assemblée. Monsieur le Président, nul besoin d'un ajournement pour savoir que nous n'avons pas confiance en ce gouvernement. Nous voudrions voter immédiatement. Non, ne soyez pas ridicule. Je seconde. Monsieur le Président, ceci est inacceptable. Jamais comment dans l'histoire de ne pas avoir confiance. Vous vous moquez de la justice. Nous n'avons pas encore présenté d'agenda. Monsieur le Président, ils ont eu cette chance, mais ils ont préféré demander un ajournement. Aucun agenda n'a été présenté, seulement une motion de non-confiance en ce gouvernement. J'ai bien peur qu'il ait raison, monsieur Brown. Monsieur le Président, ceci est une attaque à notre Assemblée elle-même. Nous demandons nos droits coutumiers. En tant que gouvernement assermenté. Les coutumes ne sont pas des droits. Exact. Monsieur le Président, un vote. Il est proposé que le gouvernement aurait perdu la confiance de cette Assemblée. Nous pourrions gagner la confiance de cette Assemblée. Ceux qui votent en faveur. Désolé, monsieur Brown, j'ai bien peur que vous ne l'ayez pas aujourd'hui. Ce gouvernement est officiellement défait. MacDonald a abusé de la dignité du système parlementaire lui-même. En vous renversant aussi vite, vous voulez dire? Il nous a retiré notre droit de présenter un agenda. Nous aurions pu obtenir les votes nécessaires. Peut-être. Non. MacDonald est hors de contrôle. Avec lui, c'est un désastre après un autre. Il tourne en dérision cette Assemblée. Comment donc? Eh bien, cette idée idiote d'une capitale à Ottawa, pour commencer. Il s'est caché dans les jupes de la reine pour nous la pousser dans la gorge.
La reine a choisi Ottawa elle-même, Monsieur Brown. Vous vous doutez bien que ce n'était pas son idée. Elle n'est pas mentalement déficiente, contrairement à celui qui lui a conseillé ce choix. Avouez Bytown. Bytown ! En toute sincérité, je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu avoir une idée aussi stupide que celle-là. Ensuite, il profite de ce prétexte pour démissionner sur un coup de tête et plonge le pays entier dans le chaos. Et quand je fais le nécessaire pour rassembler un gouvernement à mon tour, il nous renverse. Sans même nous laisser la chance de présenter quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et quel remède suggérez-vous, juste ? Malheureusement, la seule option serait de dissoudre l'Assemblée et de déclencher une élection. Il est trop tôt pour une autre élection. MacDonald ne nous laisse aucun autre choix. Mon gouvernement et le sien ont été défaits. Non, non, Monsieur Brown, le vôtre. Le vôtre a été défait, pas celui de MacDonald. Le sien a démissionné à cause d'insultes à l'honneur de Sa Majesté, et à très juste titre. Tout me porte par conséquent à croire que lui et M. Cartier ont encore la confiance de l'Assemblée que vous n'avez clairement pas. Je crois donc que la chose la plus appropriée à faire est de leur offrir une autre chance. Monsieur le Président, n'y a-t-il jamais eu dans l'histoire de ce pays un gouvernement plus enclin à la tromperie et à la tricherie que celui-là ? Il y a quelques jours à peine, ce gouvernement démissionnait. Et pourtant, le revoilà de retour d'entre les morts sans même avoir à faire face à une élection auparavant. Je crois que le gouverneur général a manqué de jugement quand il a permis à un serpent comme John A. MacDonald de se faufiler ici pour étouffer la loi. Je n'ai fait que me servir de la loi, Monsieur Brown, comme les avocats sont formés à le faire. Vous, cependant, avez vendu vos principes pour le pouvoir. Et maintenant, vous avez perdu les deux, sans personne d'autre à blâmer que vous-même. Nous devons accorder au gouvernement Brown d'avoir été remarquable dans sa brièveté. Un fiasco aux proportions historiques. Ne changez pas de sujet, MacDonald, c'est de votre perfidie dont nous parlons. Mais comment pourrait-on parler de la vôtre ? Vous n'avez pas été au pouvoir assez longtemps pour faire quoi que ce soit. Disons que votre administration m'a paru plutôt éphémère. En fait, j'ai déjà la mémoire qui flanche. Est-ce que George Brown a été Premier ministre ? Ou ai-je fait un cauchemar de déloyauté et de trahison ? Oui, un cauchemar. Un très bref cauchemar. Je vous l'accorde. Les Américains ne sont pas à prendre à la légère quand ils menacent de déclarer une guerre. Parlez-en au Mexique. Monsieur le diplomate. Ouais. Nous tenons à vous exprimer combien nous apprécions votre venue dans notre province du Canada, première de toutes les colonies. Merci, mais ma visite est purement officieuse. Mais tout de même, donnez-moi votre manteau. Non, 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 je ne resterai pas longtemps. Nous avons de sérieuses questions à discuter, je crois. Ah oui. Quelles actions planifiez-vous ? L'Angleterre a choisi une politique de stricte neutralité. Nous sommes bien sûr soumis à sa volonté. Oui, mais l'Angleterre est à 3000 milles de nous, Monsieur MacDonald. Et vous partagez notre frontière nord. Vous devez prendre position, avec nous ou contre nous. Nous sommes une colonie, monsieur. Nos politiques étrangères sont décidées à Londres, pas ici. Et dans ce cas-ci, Londres a décidé de rester neutre. L'Angleterre prétend rester neutre et... pourtant, des armes confédérées ont été saisies sur des navires britanniques. Pourquoi ne devrions-nous pas craindre la même duplicité de votre part ? Parce que je me tiens devant vous et que je vous donne ma parole. Doutez-vous d'elle ? Que vaut votre parole ? Vous avez déjà admis être soumis à la volonté de Londres. Et Londres veut que nous restions neutres. D'ailleurs, monsieur, puisque nous sommes si francs l'un envers l'autre, espériez-vous honnêtement que nous nous impliquions dans votre guerre civile ? Alors vous ne nous offrez rien.
Une frontière sécuritaire et pacifique, ce n'est pas rien. Une ligne imaginaire, pratiquement sans protection. Et en passant, notre secrétaire d'État s'est montré en faveur d'une annexion du Canada. Rien de moins. Par la force, si nécessaire. Et bien entendu, ce serait sûrement nécessaire. Pour la dernière fois, le Canada ne se mêlera pas des affaires américaines et nous espérons le même respect de votre part. Je ne peux rien promettre. Au revoir, messieurs. Il ne s'est pas du tout montré diplomate. Il a été insultant. Mais officieusement, bien sûr. Votre prédécesseur aurait été outré. Mais je ne suis pas mon prédécesseur, monsieur Cartier. Je ne suis pas prompt à l'outrage. Votre Excellence, officiellement ou non, on nous a menacés de guerre. Il faut réagir. Bien sûr. Combien d'hommes comptez-vous envoyer au juste ? Quelques milliers, Votre Excellence. Plusieurs milliers, bien entendu, mais peu importe le nombre de fermiers armés de mousquets, ils ne nous feront pas gagner la guerre. Planifiez-vous de lever une véritable armée, alors ? Non. Nous avions plutôt l'impression que nous étions sous la protection de la meilleure armée du monde, Votre Excellence. Oh, bien sûr que vous l'êtes. Nous devrions certainement dépêcher quelques milliers de troupes au Canada dans les plus brefs délais. Pendant ce temps, les Américains vont armer 1 million d'hommes. Et ça, dans le Nord seulement. J'imagine mal l'armée britannique se laisser entraîner dans une guerre territoriale contre une armée de cette taille pour défendre des roches et des arbres. Et comment espérez-vous que le Canada se défende lui-même contre ça, Votre Excellence ? Oh, je comprends votre problème, messieurs, mais je ne crois pas pouvoir vous aider davantage à le résoudre. George, vous prendrez bien un verre avec nous avant de partir, non ? Bien sûr. Anne, viens que je te présente George. Avez-vous déjà rencontré ma sœur ? Ça fait si longtemps. Non. Monsieur le Premier ministre. Oh non, simplement George Brown, je vous en prie. Mais vous étiez Premier ministre. Techniquement peut-être, mais pas vraiment en fait. De toute manière, je ne suis plus politicien, seulement homme d'affaires. Vous trouvez la transition difficile ? Assez, oui. C'est pourquoi je suis en Écosse, pour ne pas succomber à la tentation quelque temps. Je présume que vous êtes inquiet de la guerre en Amérique. Oh, absolument, c'est gentil. Slash. Ça peut sembler très loin, vu d'ici, mais au Canada, il y a le feu chez le voisin, croyez-moi. Ce que je crains, c'est que les colonies soient entraînées dans cette guerre. Vous avez pris position ? Le Canada, je veux dire. Les journaux d'ici semblent en faveur du Sud. Sûrement pas. Non, non, non. Mes sympathies vont entièrement à la cause abolitionniste. Ah, un autre. Anne me casse les oreilles avec ça. J'ai même écrit sur le sujet, vous savez. Je sais. Tu savais ça, toi ? J'ai fait quelques petites recherches quand j'ai su que M. Brown viendrait nous visiter. J'ai trouvé vos écrits à la fois passionnés et persuasifs. Je suis flatté. Vous dites que les Britanniques ne nous défendront pas, c'est ridicule. C'est la réalité. Ils nous aideront, mais ils n'iront pas en guerre. Et comment sommes-nous censés nous défendre ? Nous ne sommes plus en 1812. Il ne suffira pas d'aller brûler oui, la maison oui, 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 nous le savons, les nous Américains ne l'emporterons pas par la force des armes. Alors il vaut mieux mettre un réel effort à les dissuader de nous vous envahir. Vous voulez dire quoi, John ? Qu'est-ce qu'un réel effort ? Une armée d'au moins 50 000 hommes et 1 million de dollars de fortifications à la grandeur du pays, de Québec jusqu'à Sault-Sainte-Marie. Nous ne pouvons pas nous permettre ça, John. Il faut lever une armée. Vous proposez une conscription ? C'est comme ça que les armées sont levées, oui. Soyez cohérent, John. D'abord, vous dites que nous ne pourrons pas nous défendre nous-mêmes, ensuite que nous devons lever une armée. Pourquoi, si nous ne pouvons pas gagner ? Parce qu'il doit y avoir un prix à payer. Si les Américains nous veulent, ils doivent réaliser qu'ils le paieront de leur sang. Et si l'Angleterre nous abandonne, non, arrêtez. Que ça lui coûtera arrêtez son tout honneur. De suite, John. Nous n'avons aucun espoir pourquoi de gagner. L'Angleterre nous défendrait si nous ne le faisons pas nous-mêmes ? Pourquoi les Américains se priveraient de nous si nous ne coûtons rien ? Pas de conscription. Je ne vous appuierai pas. Ça, jamais. Nous n'avons pas d'autre choix. Qu'est-ce que je dirais ? Si les Américains débarquent, ils vous traiteront peut-être bien, George, mais ils ne le feront pas en français. Je m'excuse, John. Vous n'obtiendrez pas les votes.
C'est bien mal me connaître. Nous devons montrer le maximum d'engagement dans la défense. C'est la seule chance que nous avons de contrôler notre destinée. Pourquoi avez-vous besoin de moi? C'est vous qui formez le gouvernement. Ah, les Français ne vous appuieront pas, c'est ça? Bien sûr que non. Et vous voudriez que je joue la bête noire pour imposer une conscription et pouvoir jeter le blâme sur nous? Non. J'en assumerai la responsabilité, vous avez ma parole. Non, je refuse. Je vous ferai Premier ministre, Sunfield, quoi qu'il en coûte. Oh, vous ferez de moi le prochain Premier ministre. Aussitôt que vous tomberez. Je déposerai le projet de loi à l'Assemblée, Sunfield. Au moins le peuple verra qui a tenté de défendre son pays et qui l'a abandonné. Ceux qui sont en faveur du projet de milice... Vous êtes sous. Je ne l'aurais pas fait sobre. Ceux qui s'y opposent ? Le gouvernement est défait. Vous reviendrez bien assez tôt, John, vous le savez. Non. La politique, c'est fini. C'est seulement un mauvais moment, vous ne pouvez pas vous passer de politique. Les Américains ont 1 million de soldats. Et je n'arrive même pas à convaincre l'Assemblée de lever une armée, croyez-moi. Je peux me passer de politique. Apportez-moi une autre bouteille, Eliza. Ce n'était peut-être pas le bon moment, c'est tout. C'est justement le bon moment. Ce sale pays qui n'en est même pas un devrait enfin se lever debout et se prendre en main. Devenir enfin une nation. Un pays ne naît pas de lui-même. C'est notre moment. Une crise s'abat sur nous et nous ne faisons rien. Nous laissons les choses nous échapper. Nous serons bientôt des Américains. Apportez-moi une autre bouteille. Eliza, je veux une autre bouteille. Quelque chose vous trouble, George? Non, rien. Les affaires. Vous m'avez promis de me parler du Canada. Oh. Je vous avertis, j'ai la tête dure. Eh bien, la description habituelle dit que c'est vaste et vide et affreusement froid durant l'hiver. Mais n'est-ce pas vrai? Oh oui, j'ai bien peur que ce soit vrai. Il n'y a pas vraiment de système de classe. Ça vous plairait probablement pas. Probablement pas. La tragédie fondamentale du Canada, c'est d'avoir été mal conçu dès le départ. Comment ça? C'était une mauvaise idée qu'on appelle le Canada. Nous n'avons en commun ni langue ni religion. La population en donnant une trop grande place aux Français, afin de prévenir la domination de la minorité française par la majorité anglaise. Je vois, c'est compréhensible. Si vous êtes Français, peut-être. Mais nous qui faisons partie de la majorité sommes privés de nos droits démocratiques. Que nous soyons forcés de former un seul gouvernement avec les Français, ça peut aller. Mais si nous détenons la majorité, nous devrions avoir un contrôle absolu sur lui. Tout ça me paraît logique. Oh. Je vous ai offensé? Nous sommes en Écosse ici, Monsieur Brown. Cette idée que la majorité anglaise devrait avoir un contrôle absolu sur nous n'est pas vraiment populaire. Je vois. Mais ce n'est pas la même chose. C'est sûrement comparable. Vous le croyez vraiment? Je le crois.
Et si j'étais une Française du Canada, je ne voudrais pas être dominée par vous parce que vous êtes anglais. Vous devez sûrement me prendre pour un tyran. Non. Oui. Vous m'avez démasqué. Je pense n'avoir jamais regardé le Canada sous une perspective plus large que la mienne. Eh bien, peut-être que voyager a élargi votre perspective. Voyager a confirmé mon amour pour mon pays, oui. C'est vous qui avez élargi ma perspective. Vous avez eu une merveilleuse influence positive sur moi. Et elle risque de me manquer terriblement au retour. Vous serez ici plusieurs mois encore. Non. Oh non. J'ai une confession à vous faire. J'ai pris la décision de repartir plus tôt parce que je me sens mal d'être loin avec la menace américaine. En fait, je compte financer une milice à mon retour. Quand partez-vous ? Dans 2 semaines, le plus tôt possible. J'ai réservé 2 cabines. Je comptais engager un assistant, mais ensuite j'ai réalisé que je n'en avais pas besoin. Vous pourriez en prendre une. Je veux dire que vous pourriez prendre ma cabine et moi celle de l'assistant. Si vous le voulez bien. Regardez ce que j'ai pour vous. Maman, regardez. Je crois que maman ne va pas bien. C'est un soulagement, au fond. Elle est mieux là où elle est. C'est un soulagement pour tout le monde. Pour elle, plus que quiconque. Qu'est-ce qui soulage ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Seulement qu'elle était très malade, You. Et que maintenant, elle ne souffre plus. Elle ne voulait pas mourir. Je n'ai pas dit ça. Elle va tous nous manquer, You. Je veux venir vivre avec vous. Mais nous voulons que tu viennes vivre avec nous, You. Avec ta tante Louisa et tous tes cousins. Je ne veux pas y aller. Approche. Assieds-toi là. Allez-y. Ce n'est pas possible, Lio. J'aimerais que ce le soit. Mais pourquoi ? Tu as besoin d'une vraie maison où il y a d'autres enfants et... de quelqu'un qui sait cuisiner et qui ne travaille pas 12 heures par jour. Mais je veux vivre avec vous. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Nous verrons comment ça se passe d'ici la fin des classes. Et ensuite, tu viendras me rendre une longue visite. Et à la fin, nous déciderons si tu peux rester ou non. D'accord ? Oui, monsieur. Et vous devez être Anne. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous ne trouvez pas l'endroit trop ennuyeux. Non, en fait, je trouve les journaux passionnants. J'en lis 2 tous les matins. Maintenant, vous n'en lirez qu'un seul, je suppose. Non, maintenant, j'en lirai 3. George,
nous devons en parler. D'accord, mais pas de politique, c'est fini pour moi. C'est à propos de notre éditorial. D'accord, qu'y a-t-il ? Nous voudrions faire une sortie contre Sandfield. Vous êtes fou ? C'est votre chef, George. C'est un désastre, nous devons faire quelque chose. Est-ce vraiment stratégique ? Peut-être pas, madame, mais c'est nécessaire. Il a décidé qu'il nous fallait les majorités des deux moitiés de la province, haute et basse, sinon il retirait le projet de loi. Ça suffit. Même s'il obtenait en fait suffisamment de votes. Il appelle ça le principe de double majorité. Le principe de double stupidité, oui. La politique ne m'intéresse plus. Une guerre civile fait rage aux États-Unis et l'Assemblée tourne en rond. Bande d'imbéciles. Je serais bien plus utile à fonder une milice ici que je ne serais à me frapper la tête contre un mur à l'Assemblée de Québec. J'ai fait le bon choix, je crois. Vous n'aimeriez pas être au Parlement? C'est une assemblée législative. Peu importe le nom, ça vous manque, George. C'est clair comme le jour. Mais bien sûr que je voudrais, si je pouvais mener ce pays, de la même manière que j'aimerais avoir des ailes et voler comme un oiseau. Vous pourriez mener le pays. Pas vraiment. MacDonald a rendu mon retour là-bas impossible. C'est ça qui vous empêche d'y retourner? La peur de Johnny MacDonald? Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai peur de personne. Le problème, ce ne sont pas les hommes, c'est plutôt la constitution de ce gouvernement. C'est vrai, j'aurais cru qu'une fois moi et MacDonald partis, les choses auraient changé, mais elles sont pires qu'elles ne l'ont jamais été. Non. Le Canada ne fonctionne pas, c'est tout. Cette province est brisée. Qu'allez-vous faire pour la réparer? C'est une véritable question, George. Vous dites que ce gouvernement ne fonctionne pas. Mais vous êtes un dirigeant politique et vous détenez le plus grand journal du pays. Qu'allez-vous faire pour changer les choses? Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à faire, justement. Il faudrait tout recommencer, revenir aux deux provinces séparées et trouver un compromis équitable pour chacune des deux parties, peut-être. Pourquoi vous ne le proposez pas? Dissoudre l'union. Pourquoi pas? Nous briserions l'impasse. Nous cesserions de tourner en rond. Quand partons-nous pour Québec, George? Je dois me faire élire d'abord. Au travail, alors. D'accord. Oh! Je vous trouve enfin. Allez-vous-en. Je viens d'arriver. J'ai fait le voyage depuis Montréal. Ce n'est pas ma faute si vous avez perdu votre temps. Soyez gentil, John. Vous êtes prêt? Ouais. Oh! Au moins, je vous trouve relativement sobre. Presque. Je présume que vous êtes venu me dire que le gouvernement s'apprête à... tomber. Je réussis chaque fois. L'administration de Sandfield est un désastre. Encore quelques votes et je la ferai tomber. Vous pourriez trouver ces deux votes. Et pourquoi? Pour reprendre le pouvoir jusqu'à ce que Sandfield achète deux autres votes et que nous tombions encore? Ça ne m'intéresse plus. Regardez ça! Je vous en prie, John. Si le gouvernement doit être impuissant, autant que ce soit nous. Autant que ce soit vous, George. Par tous les moyens. Je n'en peux plus d'échouer. Vous m'avez ruiné! J'ai envie d'une bouteille de claret. Clarissa! Vous êtes encore le chef de notre parti, John. Désolé, George. Vous avez appris pour George Brown? Qu'il est marié et plus riche que Crésus. Bien fait pour lui. Il a bien fait de s'en aller. Il a décidé de revenir en politique. On lui a demandé de faire le discours d'ouverture à Québec. Apparemment, il aurait un nouveau plan pour sauver le pays. Monsieur le Président, j'aimerais commencer par... Oh,
J'aimerais commencer par m'excuser auprès des membres français de la Chambre. Les offenses que je vous ai faites sont trop nombreuses pour être énumérées, mais je regrette chacune d'entre elles. J'ai toujours défendu l'idée que cette Assemblée devait représenter équitablement la population de cette colonie, et je pense la même chose aujourd'hui. Mais j'ai trop rarement pris en compte les droits et les intérêts des populations minoritaires. Et pour ça, je suis profondément désolé. Ne l'encouragez pas. Mais il n'en demeure pas moins que cette assemblée ne fonctionne plus du tout. Ouais. 20 années d'impasse nous l'ont prouvé. Une réforme est nécessaire. Et si la représentation selon la population est impossible dans la province du Canada, alors je crois qu'il faut dissoudre l'Union. Je crois qu'il faudrait redevenir les provinces que nous étions. Redevenir le Bas et le Haut-Canada comme avant, pour ensuite créer une plus grande association qui sera bénéfique pour tout le monde. Nous devons accepter le fait que notre union est aussi mauvaise que celle des Américains. Nous devons éviter de reproduire leurs erreurs et agir avant que ce ne soit impossible, avant que n'éclate chez nous aussi une guerre civile. Monsieur le Président, comment éviter de reproduire les erreurs des Américains si nous répétons ces erreurs? C'est utile que M. Brown n'ait pas compris que les tentatives de séparation par le Sud ont mené au massacre de centaines, de milliers d'Américains. Maintenant, il voudrait que nous suivions leur exemple. Est-il dément? Ce n'est pas ce que je suggérais. Je suggérais un nouveau départ entre deux provinces amies. Vous suggérez leur séparation, M. Brown, ne le niez pas. Alors que nous devrions plus que jamais faire front commun, vous voulez nous séparer. Monsieur MacDonald me comprend très mal. Je crois aussi que nous devons bien sûr éviter les erreurs américaines, mais nous ne sommes pas américains. Oh, c'est vrai, pas encore. Mais nous sommes très proches de le devenir. Et vous nous poussez plus loin dans cette voie. Une fois encore, je suis d'accord avec monsieur MacDonald. Nous sommes en danger de perdre notre nation, et c'est pour ça que nous devons agir ensemble. Comme des compatriotes. Je pense que ma proposition est un pas en avant, mais je ne prétends pas qu'elle est la seule solution possible. Et je suis prêt à écouter quiconque croit pouvoir en faire une meilleure. Nous devons réformer notre constitution pour qu'elle fonctionne. Et je propose une conférence immédiate sur le sujet, où les idées de chacun seront considérées sans crainte ou favoritisme. Qui veut se joindre à moi ? Je vous en supplie, messieurs. C'est l'époque qui l'exige. Il n'y a jamais de mal à une franche discussion. Pour l'amour du ciel. Nous devons renverser le gouvernement. Sur quelle base? Nous avons convenu de quelque chose pour une fois. Oui, de tenir une conférence dirigée par George Brown. Il veut seulement reprendre le pouvoir. Il n'essaie pas de reprendre le pouvoir. Il essaie de réformer un gouvernement qui ne fonctionne pas. Enlevez vos œillères. L'avez-vous écouté? Il ne veut pas nous réformer. Il veut nous diviser plutôt. Quelle bêtise! Nous nous serons envahis par les Américains et assimilés pour de bon. Ou peut-être bien qu'une guerre civile éclatera. Nous sommes très loin de ça. Vous laissez vos émotions nuire à votre jugement. Et puis après? Mon pays se meurt, et je ne vais pas rester là tout bonnement sans rien faire alors que George Brown s'apprête à l'achever. Pas question qu'il devienne Premier ministre. Nous allons renverser les libéraux immédiatement. Ça n'a pas d'importance qui est au pouvoir. Ça ne fonctionne pas, peu importe qui gouverne. Vous m'avez dit la même chose des douzaines de fois, mais maintenant que Brown l'a dit, soudainement vous n'arrivez plus à voir la vérité. Brown nous offre une solution, et vous, non. À moins d'en trouver une, vous perdrez contre lui, peu importe qui est le Premier ministre.
Une chose à la fois. Ceux qui ont perdu confiance en ce gouvernement. Excusez-moi. Félicitations. Merci. Ce gouvernement est défait. Scandaleux. Et maintenant, on peut acheter des votes aussi facilement qu'ils le peuvent. Je les retournerai dans l'opposition avant la fin du mois. Regardez plus loin que le bout de votre nez, Sunfield. Peu importe qui est le Premier ministre, nous devons agir en assemblée solidaire. Parfait. Ils seront solidaires derrière moi. Seigneur, sauve-nous de la bêtise des hommes. Monsieur Cartier. Est-il possible de vous dire un mot? Bien sûr. J'aimerais discuter d'une réforme constitutionnelle avec vous. Avez-vous considéré ma proposition? De défaire la province du Canada? Oui, une nation française libérée de l'ingérence excessive des Anglais, n'est-ce pas un concept attirant pour vous? C'est un périlleux concept, Monsieur Brown. Pourtant, je le considère sérieusement. Et Monsieur MacDonald, lui aussi? Malheureusement, non. Il pense qu'envisager la séparation frôle la trahison, ou même pire, la démence. Il refusera d'en discuter avec vous. En fait, je n'en espérais pas davantage de sa part. Mais l'approbation de Monsieur MacDonald est-elle essentielle? Vous ne pourrez jamais unir l'Assemblée en creusant un fossé entre moi-même et John Hay. Ce n'est pas mon but. Je faisais les calculs, simplement. Maintenant, si vous et moi nous entendions sur une marche à suivre, ni vous ni moi n'aurions besoin de l'approbation de notre chef. Nous gagnerions les votes malgré eux. Mais nous ne nous entendons pas encore. Nous entamons simplement la discussion. Il est prêt à faire des compromis. C'est un homme nouveau, John, je vous le jure. C'est vrai, ses idées sont pires qu'avant. Arrêtez vos obsessions à propos de Brown, ce n'est pas l'homme qu'il faut appuyer. C'est son idée. Et son idée, George, est précisément à l'opposé de celle qu'il nous faut. Nous ne devons pas rapetisser. Nous devons grandir. Sur tous les fronts, plus d'armes, plus de gens, plus de territoires. C'est exactement ce que je vous disais. Il faut former une grande confédération, unifier les possessions britanniques nord-américaines en une grande entité. Un pays aussi grand que celui des Américains. Oui, Galt, mais nous avons convenu que c'était infaisable. Londres ne nous accordera pas le contrôle des autres colonies. Ou peut-être que oui. Comment ça? Peut-être qu'elle le fera. Et pourquoi Londres ferait ça? Les choses ont changé. Londres ne veut pas se retrouver mêlée à une guerre contre les Américains. Elle est même prête à laisser le continent entier de ses colonies nord-américaines partir à la dérive. Nous risquons de devenir les fragments d'un empire dont notre mère patrie ne veut plus vraiment et qu'elle attend que les Américains engloutissent. Mais nous sommes la plus grande colonie, pas vrai? Emparons-nous des autres. Toutes les autres. Invitons-les à nous rejoindre. La Colombie-Britannique, Victoria, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve. Ce serait plus difficile pour les Américains de s'emparer de tout un continent. C'est ce que je dis depuis des années. C'est ça la solution, George. Créer une confédération assez grande pour fournir à la fois indépendance et protection aux Français autant qu'aux Anglais. Les Maritimes ont des liens plus forts avec le Maine et Boston qu'elles en ont avec Montréal. Non, mais... D'ailleurs, il n'y a pas une seule route qui les relie à nous. Pourquoi se joindraient-elles au Canada? Parce que nous les convaincrons de le faire. Nous les séduirons, nous les forcerons, peu importe la manière. George, cette idée est assez puissante pour faire changer de cap même les Américains. George. George. Je peux vous appuyer, mais il faudra une assemblée unanime pour même rêver d'y parvenir. Faudra convaincre George Brown. Il a raison, John. Ça, c'est un problème. Monsieur le Président, l'honorable Monsieur Brown a vigoureusement défié cette Assemblée de trouver une manière de réformer notre Constitution, et ce gouvernement a entendu son appel. Nous développons présentement un plan d'action majeur que nous présenterons à cette Assemblée d'ici seulement quelques jours. Je ne crois pas, non. Monsieur le Président, j'aimerais présenter une motion de non-confiance en ce gouvernement. Ça suffit. C'est totalement absurde. Qu'est-ce que vous faites, Sunfield? Rien qu'il ne vous a jamais fait. Monsieur le Président, le moment est très mal choisi.
Ce gouvernement a une proposition constitutionnelle à présenter et nous croyons sincèrement que l'Assemblée devrait la considérer avant de procéder à un vote de confiance. Monsieur le Président, je ne fais que suivre l'exemple de Monsieur MacDonald lui-même. Opportuniste. Sans délai, je propose un vote. Je seconde. S'il vous plaît, messieurs. Arrêtez, Sandfield, vous allez seulement nous forcer à retourner en élection. Oui, nous allons gagner. Messieurs, nous ne pouvons pas dissoudre cette assemblée maintenant. Nous sommes à la veille de résoudre ce dilemme. Laissez-moi au moins vous expliquer notre proposition. Je vous en conjure. Je propose que le Premier ministre puisse d'abord parler. George ? Je seconde. Comment osez-vous me faire ça à moi ? Je veux entendre ce que MacDonald a dit. Monsieur le Président, il y a déjà eu une motion qui a été proposée et je demande un vote. Ceux qui ont perdu confiance en ce gouvernement. Ce gouvernement est défait. Merci. Je suis sur le point de convaincre toute l'Assemblée de réformer la Constitution et vous renverser le gouvernement. Je vous promets que notre gouvernement fera avancer l'affaire. Non, Sunfield. La dernière fois, vous n'avez rien fait de votre pouvoir. Oh, pour l'amour du ciel! Nous devons discuter. Monsieur MacDonald. Oh. Anne Nelson Brown. Vous êtes la femme qui a su raisonner notre cher George. Dommage qu'il n'y ait plus personne pour vous raisonner, vous. Je n'aurais pas dû le dire de cette manière. Ça va. Merci pour vos condoléances. Et pour la nouvelle ouverture d'esprit de George aussi. Je ne vous permets pas d'insulter mon époux, monsieur MacDonald. C'était plutôt vous que je complimentais, madame. Ce n'était pas mon impression. J'ai finalement compris que vous aviez raison. La Constitution doit être réformée. Ah ouais? Mais notre parti pense en termes plus larges. Monsieur Cartier n'était pas entièrement opposé à ma suggestion quand j'en ai discuté avec lui. Voudriez-vous connaître la nôtre? Bien sûr. Nous avons l'intention de créer une grande confédération de toutes les possessions britanniques nord-américaines. Tous les territoires et colonies de la Nouvelle-Écosse à l'île de Vancouver. Pourquoi ne pas aussi chercher à contrôler l'Inde, John, et l'Australie? Vous pourriez peut-être demander à Washington de vous céder quelques États en trop pendant que vous y êtes. Est-ce votre réponse définitive? Notre Assemblée ne réussit pas à faire coopérer deux sections, et votre solution, c'est d'en ajouter. De créer une version plus complexe de celle que nous avons déjà. Une grande confédération d'impuissance. Non, ceci est le moyen de réussir ce que vous avez proposé. Vous avez suggéré que le Haut-Canada ait son propre gouvernement, tout en faisant partie de quelque chose de plus grand. George, la province du Canada n'est pas assez grande pour fonctionner. Mais l'Amérique du Nord britannique l'est. Une confédération. Non, c'est un rêve impossible. Je vous ai entendu le dire vous-même. Peut-être que nous n'arriverons jamais à nous entendre sur quoi que ce soit. Mais si nous nous entendions sur ceci, George, qui sait ce que nous pourrions accomplir? Allez, allez! Ouais, c'est la même chose que...
Monsieur le Président, j'ai une bonne nouvelle. Ce gouvernement a possiblement trouvé une alternative. Ce gouvernement a été défait. Pourquoi n'a-t-il pas démissionné? Parce qu'il est impensable de forcer ce pays à tenir une élection alors que nous pouvons facilement l'éviter. Monsieur le Président, c'est inacceptable. Ce gouvernement a été défait. J'ai bien peur que Monsieur Sandfield ait raison. Vous devez démissionner. Il n'y a aucune alternative. Oui, la voici. Nous sommes présentement en négociation pour former un nouveau gouvernement. En négociation avec qui? Personne n'a parlé avec moi, Dorian. Moi non plus. Monsieur le Président, je demande au Premier ministre de fournir des preuves ou de démissionner. En effet, Monsieur MacDonald, ceci est inacceptable. Nous négocions avec le représentant d'Oxford Sud. Nous prions cette assemblée de nous accorder un bref ajournement afin de continuer ces discussions essentielles. Je propose. Je seconde. Comment osez-vous négocier avec les conservateurs? Je vais vous expulser du caucus! Êtes-vous un traître à votre parti? Non, monsieur, je suis loyal à mon pays. L'Assemblée va considérer une motion d'ajournement d'un jour. Ceux qui sont en faveur... L'Assemblée est ajournée pour un jour. Vous savez que je ne suis pas opposé à l'idée de joindre à nous toutes les autres colonies. Mais je ne peux pas substituer des espoirs à des actions. Nous poserons des actions. D'ici un an. Si nous n'avons pas fait assez de progrès pour dissiper vos doutes d'ici là, nous adhérerons tous deux à votre cause, nous vous le promettrons par écrit. En retour, vous vous engagerez pleinement dans notre projet de confédération et ferez tout ce que je vous demanderai. Un an. Êtes-vous vraiment certain que cette idée est meilleure que la mienne? J'ai nommé ma fille Reine Victoria, Monsieur Brown. Dieu ait son âme. Toute ma carrière, je n'ai fait aucun secret de ma conviction que la meilleure protection pour mon peuple était de faire partie de l'Empire britannique. Mais mes reines m'ont abandonné. La grande comme la petite. Je pense que c'est la meilleure option. C'est d'accord. Vous avez mon appui. Un an. Pas encore. Quelques détails. C'est comme ça que notre partenariat commence, avec des vis cachés. Non, Monsieur Brown. Nous devons unir l'Assemblée. Pas seulement pour discuter, mais pour travailler ensemble. Le Canada devra s'exprimer d'une seule voix, pas par celle des libéraux ou des conservateurs. Si nous pouvions unir toute l'Assemblée, Monsieur MacDonald, nous n'aurions pas besoin de réformer la Constitution. Néanmoins, nous devons le faire. Il y a un moyen. Oui, lequel? En vous intégrant au cabinet. Sous mon pouvoir. Bien entendu, nous serions techniquement des pairs dans un grand gouvernement de coalition, mais la réalité politique serait que vous capituleriez devant moi totalement, et je ne vous cache pas que ce sera sûrement perçu comme tel. Je veux bien sacrifier mes allégeances pour le bien de cette nation, mais je ne vais pas saboter ma bonne réputation pour satisfaire votre besoin de vengeance, MacDonald. Comment pouvez-vous même exiger ça de moi ? Parce que c'est impossible, Monsieur Brown. Vous l'avez dit, cette confédération est impossible. Et vous avez raison. Telles que sont les choses, elle l'est. Alors si nous voulons que je réussisse, je dois devenir un homme capable de faire l'impossible. Et la meilleure preuve de ça serait de convaincre mon ennemi George Brown de se joindre à ma cause. Et pas seulement à ma cause, mais à mon service. Devenons co-premier ministre alors, avec l'Assemblée s'unissant derrière nous deux. Londres n'y coûtera pas deux co-premiers ministres. Monsieur Brown, un seul chef devra se rendre à Londres en tant que maître du Canada, grand vainqueur de tous ses rivaux. L'unique voix de tout un peuple. C'est la seule manière de réussir. Et pourquoi ne s'agirait-il pas de moi? Rentrez et asseyez-vous dans le noir, Monsieur Brown. Et tentez de vous convaincre que ça pourrait être vous. Venez dormir, George. Non, je ne veux pas vous déranger. Il a raison, c'est ça.
Han. J'ai vendu des millions de journaux traitant John et MacDonald de démons et ceux qu'ils suivaient de bien pire encore. Et je m'apprête à le suivre. Ma vie publique sera ruinée. Pour avoir joint une coalition? Pourquoi aurait-il besoin de vous si personne ne risquait de vous suivre? Oh, ils vont me suivre, Anne. Ils vont me suivre en enfer avec le diable. Et si je dis non, ils vont me suivre encore. Vous devez avoir le courage de faire le bon choix dans ce cas. C'est une manière de voir les choses. Est-ce une bonne idée, ce plan qu'il a? Un grand gouvernement de coalition. La quête d'un Canada d'un océan à l'autre. Je ne peux pas nier que c'est une merveilleuse idée. C'est notre meilleur plan. Si j'étais au pouvoir, je m'y dévouerais totalement. Mais MacDonald me demande de lui faire confiance et je pense que... je n'ai peut-être pas l'humilité qu'il faut. Êtes-vous certain de ne pas pouvoir le faire vous-même? Oui. Pourquoi? Parce que lui, tout le monde l'aime. Vous avez fait le bon choix, George. Je l'espère. Monsieur le Président, notre nation se trouve en danger d'extinction. Et je me blâme moi-même en pensant au rôle important que j'ai joué dans les disputes infernales qui nous ont divisés et placés dans cette position précaire. Pendant 10 ans, je me suis opposé au présent ministre de la plus hostile manière qu'il soit possible de concevoir. J'avais proposé de diviser la province du Canada. Mes opposants ont plutôt proposé de l'agrandir et d'en faire une grande confédération. C'est impossible. Et après mûre réflexion, je crois que leur idée est meilleure que la mienne. Si nous souhaitons survivre, nous devons poursuivre de plus grandes ambitions. L'avenir est à notre portée, mais cette assemblée doit enfin s'unir. Nous n'arriverons à rien divisés comme nous le sommes. Je défie donc tous les membres de cette assemblée de mettre de côté leurs allégeances et leurs ambitions personnelles et d'appuyer fermement la proposition de mon opposant. Certains se disent peut-être que je leur demande de faire l'impossible en leur lançant ce défi, mais je ne demanderai à personne de faire ce que je ne serais pas prêt à faire moi-même. Alors aujourd'hui, je mets de côté ma propre ambition et ma fierté, et je fais le pas nécessaire pour assurer l'avenir de cette grande nation. Ça y est, MacDonald. Non, Monsieur le Président, ce gouvernement a déjà été renversé. Monsieur le Président, nous avons l'intention de demander au gouverneur général la permission de former un nouveau gouvernement comme aucun autre dans notre histoire. Une vraie grande coalition. Ensemble, nous tenterons d'unir toutes les colonies britanniques nord-américaines.
Et comme nous venons de réconcilier cette assemblée pour en faire un gouvernement uni, ensemble, nous allons faire de ce continent un seul grand pays. Bravo! Bravo! Nous allons y parvenir. Je vous le promets. Vous n'aurez rien sacrifié en vain.